L'affaire sort le 21 mars 2014, trois jours avant le premier tour des élections municipales. Michel Rocher, maire UMP sortant de Chevigny-Saint-Sauveur, est mis en examen pour harcèlement et agression sexuelle, aggravé par sa qualité de personne qui abuse de l'autorité qui lui est conférée. La plainte émane d'une employée municipale. Les colistiers du maire réagissent aussitôt. Michel sera innocenté et son honneur sera lavé. Il y a une manœuvre de certains qui veulent voler l'élection. Ne nous laissons pas avoir. Dans la foulée, 300 personnes manifestent pour soutenir leur maire. Les adversaires de Michel Rocher au municipal, eux, protestent de leur innocence. Dans ce contexte tendu, la victime finit par s'expliquer. Je ne veux surtout pas être instrumentalisée au niveau politique. J'ai pris la décision le 30 janvier de déposer plainte. Si sa garde à vue a été trois jours avant les élections, j'y suis pour rien, j'ai rien demandé moi. Au premier tour des élections, les votants suivent Michel Rocher qui frôle les 50%. Il y avait une grande tension, hein, c'est sûr, une grande tension, pas beaucoup dormi pendant deux, trois jours. Hein. Et puis ben, on est rassuré, mais rien n'est fait. Michel Rocher finit par l'emporter au second tour avec près de 52% des voix. Demain, le maire y sera devant la justice, dans un contexte marqué par l'affaire Denis Baupin.